les accords du couplet. On va commencer par un La mineur. 0, 1, 2, 2. Une mesure, on prend exactement la même forme et on monte tout d'une corde pour obtenir un Mi majeur. En partant de petit Mi, 0, 0, 1, 2, 2, 0. Ensuite Sol majeur. En partant de petit Mi, 3, 3, 0, 0, 2, 3. Ensuite Ré majeur. En partant de petit Mi toujours. 2, 3, 2, 0, 0. Et on évite de faire sonner la corde de Mi. Ensuite le Fa. Un joli barré des familles. 1, 1, 2, 3, 3, 1. Do majeur. 0. C'est comme un Mi majeur qu'on a vu juste avant, sauf qu'on enlève le troisième doigt. Voilà, on n'est plus comme ça, on est comme ça. Donc ça nous fait 0, 0, 1, 0, 2, 0. Et là, on a le couplet. La mineur, 2, 3, 4, et Mi majeur, 2, 3, 4, et Sol majeur, 2, 3, 4 et Ré majeur, 2, 3, 4 et Fa majeur, 2, 3, 4 et Do majeur, 2, 3, 4 et Ré mineur, 2, 3, 4 et Mi 7, 2, 3, 4. Donc ça c'est pour la partie couplée. La partie refrain, c'est plus ou moins les mêmes accords mais mis dans un sens un petit peu différent. On va commencer par le Fa qu'on a vu précédemment, donc je ne vous réexplique pas tous les accords parce qu'on les a vus dans le couplet. Donc là on va enchaîner une mesure de Fa, une mesure de Do, une mesure de Mi 7, une mesure de La mineur, une mesure de Fa, à nouveau une mesure de Do, une mesure de Ré mineur et enfin une mesure de Mi. Ce qui nous donne Fa, 2, 3, 4 et Do, 2, 3, 4 et Mi 7, 2, 3, 4 et La mineur, 2, 3, 4 et Fa, 2, 3, 4 et Do, 2, 3, 4 et Ré mineur, 2, 3, 4 et Mi majeur, 2, 3, 4. Dans le backing track, vous verrez que ce soit en ronde ou celui avec la rythmique, j'ai mis à chaque fois deux tournes de couplet. Donc on répète les 8 mesures deux fois et deux tournes de refrain. Histoire qu'on ait le temps vraiment de bosser chaque accord de chaque partie. Alors la rythmique. La rythmique c'est un peu spécial, il va falloir qu'on fasse bas une noire. Ensuite, à nouveau bas, remontée du pouce, et à partir de là, on va enchaîner trois remontées de pouce, donc trois fois des contretemps. Ta, ta. Bas, bas, haut. Bas, bas, haut, 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 bas. Bas, bas, haut, 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 bas. Et on termine par un petit bas haut. Bas, bas, haut, 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 bas. Bas, haut, bas. Bas, haut, 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 bas. Bas, haut, bas. Bas. Bas, haut, bas.
J'accentue à chaque fois le premier temps pour vraiment que vous sachiez repérer le premier temps. On y va ensemble. 3, 3, 4 et bas, bas, haut, 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 bas, bas, haut, bas, bas, haut, 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 bas, bas, haut, bas, bas, haut, 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 bas, bas, haut, bas, bas, haut, 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 bas, bas, haut. Donc si on prend par exemple la grille du couplet, ça va nous donner ça. 3, 4 et... Là j'ai fait une mesure. C'est un peu tout le temps la même chose. Après, c'est un exemple de rythmique. Si vous écoutez l'original, il y a de fortes chances que ce soit à peu près comme ça. Ça, c'est une interprétation rythmique qui colle très bien avec l'esprit du morceau. Alors, si je le fais maintenant un tout petit peu plus vite, à peu près au tempo du morceau, 75, 1, 2, 3, 4... Alors, les accords donc d'Hotel California au ukulélé. Donc on a la mineur en partant donc de la petite corde, la corde de la. Donc 0 0 0 2. Ensuite, à la place de mi majeur, donc tout le long, je vais faire des mi 7, ça sera plus simple et ça ne va pas tant changer que ça. Donc mi 7, 2, 0, 2, 1, sol majeur, 2, 3, 2, 0, ré majeur, 0, 2, 2, 2, fa majeur, 0, 1, 0, 2. Do majeur, 3, 0, 0, 0, ré mineur, 0, 1, 2, 2, et enfin mi 7, à nouveau, 2, 0, 2, 1. Donc si je nous le fais en ronde, la mineur,
2, 3, 4 et mi 7, 2, 3, 4 et sol majeur, 2, 3, 4 et ré majeur, 2, 3, 4 et fa, 2, 3, 4 et do, 2, 3, 4 et ré mineur, 2, 3, 4 et mi 7, 2, 3, 4. Donc là, on a le couplet. Ensuite, le refrain, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est dans un ordre différent. On va commencer par le fa, donc je ne vous redétaille pas les accords parce qu'on vient de le faire précédemment. Donc fa majeur, une mesure, 1, 2, 3, 4 et do majeur, 2, 3, 4 et mi 7, 2, 3, 4 et la mineur, 2, 3, 4 et fa majeur, 2, 3, 4 et do, 2, 3, 4 et ré mineur, 2, 3, 4 et mi 7, 2, 3, 4. On est bon ? Donc maintenant la partie rythmique, donc c'est exactement la même chose que pour la partie guitare. Donc on va avoir bas, bas, haut, ça c'est le premier des trois remontées d'affilée. Donc bas, bas, haut, 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 bas, bas, haut. Bas, bas, haut, 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 bas, bas, haut, pour terminer. Bas, bas, haut, 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 bas, bas, haut. Bas, bas, haut, 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 bas, bas, bas. Avec les accords, on va déjà faire une mesure de la mineure et une mesure sans rien pour se rendre compte un petit peu de la différence. Ok. Maintenant, on enchaîne avec tous les accords, pas trop vite. 3, 4, 3, 2, 3.